C'était sur la maquerelle. La maquerelle et sur le Macron. Tu vois? Ça va pas du tout. En plus, quand je vois leurs couleurs, c'est vraiment tous des connards. C'est des reptiliens de merde. Moi, j'étais pas content de voir ma tata agoniser sous cacheton. C'est ça qui tue. La voisine du premier, elle restait un an paralysée par trop de cacheton. Vous vous rendez pas compte que vous prescrivez que de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Ok, t'as une inflammation, hein. Même les antibiotiques, c'est de la merde. Moi, je fabrique moi-même mes... comment on dit... mes anticorps. Je veux pas de la saloperie en boîte chimique, tu vois. Au pire, des plantes. Un tilleul, une verveine, une carbonie, je sais pas, tu prends des trucs, quoi. Tata, je vois bien que ça va pas du tout. La télé, c'est vraiment que de la merde. C'est que de la pub de merde. Oh oui, oui, c'est ça. Oh oui, oh oui. Tiens, c'est ça que je voulais regarder. Une boîte de cabisconnel. C'est pour les brûlures d'estomac. Ben t'en as ? Oh, il en est, oui. Ça doit être fermé à cette heure-là. Bah oui, c'est fermé. Ouais, c'est fermé. Gaviscornel, c'est de la pub, hein. Faut pas croire. Eh ben oui, mais c'est pour l'estomac. Il faut pas y croire. C'est pour les brûlures de l'estomac. Tu ferais mieux de manger un peu. Pub de merde, BHL TV de merde, c'est de la merde. Vous comprenez pas ou quoi? Je sais même pas comment il fait le diable là. Le Macron en boîte, ça se Rothschild là. Avec la Merkel, ça va pas du tout. Bon, il fait encore un peu jour. C'est couvert. Hein. Les pubs de merde, j'ai rien à foutre. J'ai pas besoin de vous en faire profiter vu que c'est de la merde. Voilà, voilà, voilà. Je préfère, tiens, autant filmer Ben Laden. Il a pas poussé les fleurs. Il a plus de tête, mais putain, les bras ont grandi. Hein. Ouais, 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 ouais. Si ça coupe pas, je vais tourner le truc et je vais vous dire un truc. Il faut savoir que les laboratoires Bayer en Allemagne, c'était à, je sais pas, 200 mètres d'Auschwitz. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dû prendre les gosses, les bonnes femmes, pour tester les médicaments et... Un médicament vrai, bordel. Un gouverneur vrai, bordel. Un discerneur vrai, bordel. Un parle vrai, bordel. Pourquoi vous faites que de la merde? Pour de l'argent? Et vous êtes con, quoi. Dans l'espace et le temps, à travers l'espace-temps, même ton poil de couille est compté. Tout sait, tout se voit, que ce soit par les oiseaux, par les machins, partout, ce que tu veux, par les nuages. La vie, c'est l'eau. On a des cartes mémoire de l'eau. Pourquoi vous bougiez tout? Pourquoi vous vendez vos âmes? Parce que vous savez pas que vous en avez une? Peut-être. Jiminy Croquette, quoi. Bon, Romain, j'aimerais bien avoir une bonne croquette. J'aimerais bien un gros joint. Mais c'est pas pour dire ça. La subconscience, ça vous parle pas. Hein. Ça vous parle pas. Hein. Et pourtant. Moi, je suis pas là pour faire de la merde. Des fois, je fais même des merdes qui sentent bon. Tu vois le truc? Bon, la date limite de consommation était le 23 septembre. Vous voulez l'apocalypse? Ben vous allez l'avoir. Hein. Je peux rien, c'est pas de ma faute. Essayez d'être bon, travaillez sur la bonté. L'argent, j'en ai absolument rien à foutre. Un petit peu pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il fallait mieux faire caisse commune que fosse commune. Depuis 2008, je l'écris et je le dis. Tu vois?
le TPU, Trésor Public Universel. Pas compliqué. C'est les cachetons qui vous font crever. Putain, si tout le monde buvait un bon coup et fumait un bon joint, il n'y aurait plus une pharmacie ouverte. Je me répète. Et alors, je peux le répéter 800 000 fois. Ça resterait juste pour vendre du gel à Poufias. Tu vois le truc? Je crois pas que tu vois le truc. Vous êtes tous des fictifs de la vie. Sauf les pauvres. C'est pour ça que les derniers seront les premiers et c'est pour ça que c'est moi qui enclenche le truc. Il y en a marre. Il y en a marre. J'en ai marre. 222 millions. Même le film à Luc Besson coûte que 199 millions. Oh, qu'est-ce que c'est de nos jours? À la Bettencourt. Ben, je suis bien content parce qu'elle est crevée. Et puis je suis bien content parce que Bernard Tapie va crever aussi. Oh, c'est un de mes couilles, là. Putain de magouilleur. Le mari à Tata l'Oracle. Bon, c'était Jean-Marie. Ben, il est mort d'un cancer. Bernard Tapie, ha ha ha. Il va crever d'un cancer. Putain d'escroc. Sauf que c'est pas le même niveau d'escroquerie. Tata, il faut voir la vie qu'elle a eue. Elle a déménagé plus de 30 fois ou 35 fois, je sais pas quoi. C'est son mari, mon oncle. Ben, il était escroc, mais pas international. Il vendait deux fois la... Il était agent immobilier. Il vendait deux ou trois fois la même maison où il prenait deux, trois vacances et il fallait tout le temps se tirer. Il y avait les huissiers, il y avait les machins. C'est une histoire, hein. C'est une époque. C'est pas Sophie d'avant d'après, cependant. D'ailleurs, on n'entend plus parler de celle-là. Tu vois? En vérité, je vous le dis, c'est l'heure de la révolte.